bizarre. Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Ah, sacrée surprise, hein, cette boîte noire qui va se poser tel un ovni à Waterloo, puis qui va se poser comme ça tous les 15 jours sur une place de Wallonie ou de Bruxelles jusqu'au fin juin, plus de 180 représentations de ce qu'on appelle la boîte à images. Une fois à l'intérieur, vous pénétrez dans un décor d'un cinéma d'époque. Et puis après, cerise sur le gâteau, arrive le projectionniste, le propriétaire de ce cinéma qui n'est autre que Monsieur Jean-Pierre Castaldi himself, qui avec sa bande, une bande formidable avec des comédiens comme Christophe Delure, Aurélie Rémy, Pauline Brizy, et tout ce petit monde va vous emmener dans la grande et passionnante histoire du cinéma. Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Bonjour. Waterloo, vous connaissez, puisqu'en 2013, vous étiez un membre remarqué du jury au premier festival international du film historique de Waterloo. J'étais le parrain, parce que c'était la première. Nous sommes ravis de vous retrouver à Waterloo du 8 au 18 octobre, cette fois dans la boîte à images. Quel rôle jouez-vous? À travers un projectionniste qui habite ce lieu et qui raconte son histoire du cinéma. Un petit peu chien, tout en respectant quand même l'histoire du cinéma. Ça, c'est une petite rareté qui me donne des frissons de plaisir. Le premier film d'horreur. Vous n'êtes qu'une image. Ici, monsieur, regardez. Hop, disparu. Hop, réparu. Hop, disparu. Hop, réparu. Hop, disparu. Hop, réparu. Un mélange d'histoires, d'anecdotes et de l'histoire du cinéma et de comment le cinéma a grandi. Quoi. Support de caméra sur roue ou sur rail qui permet de réaliser des travelling sans à-coupe. Au milieu de son histoire, il y a une jeune fille qui rentre, qui se trompe de lieu, évidemment. Et donc c'est une jeune comédienne qui vient se mélanger. Oui, j'ai lu votre annonce, cherche jeune comédienne talentueuse pour tournage en Belgique de la boîte à images. Et après, la deuxième partie du spectacle, c'est le mélange de ce vieux projectionniste qui a tout connu, et la jeunesse, l'insolence, la curiosité, toute la fougue de la jeunesse d'une jeune comédienne qui, elle, veut devenir une vedette, qui veut faire ce métier, en tout cas, devenir actrice. Moi, j'ai du talent, monsieur. Moi, j'ai du talent, monsieur. Moi, j'ai du talent, monsieur. Ah, coupé. C'est presque utilisable. Folks were putting the blame on the lady known as Ruth. Et c'est le prétexte de pouvoir encore parler du cinéma et de ce qu'il y a devant et derrière et donc de tout ce qui est autour du cinéma. C'est Coco Chanel qui a signé les costumes. C'est Coco Chanel. Ah bon, d'accord, mais il n'y a pas de mauvaise manière d'aimer le cinéma. Il chante l'homme en bleu. Ça y est, Corbiot. 12 balles pour vous, 12 balles pour vous, 24 balles. Oui, attends mon ceinture et attachez vos cigarettes. L'Amérique. Mademoiselle, tout ça c'est beaucoup, beaucoup de travail. I'm a man. Well, nobody's perfect. Merci. Merci Jean-Pierre Castaldi. Premier. Oui, Marie, ça, c'est du cinéma.